Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et je vous retrouve de nouveau pour une custom story d'Amnesia. Vous aimez la choucroute avec des grosses saucisses? Oh ya, yeah. Je bon, à Frankfurt, je bin ein Berlin. Oui oui, je parle allemand tout simplement parce qu'en fait, il se trouve que la custom story que je vais essayer aujourd'hui, Berdides version act imit en même problème zu kämpfen. Je m'excuse d'avance si j'écorche complètement l'allemand, mais je n'ai jamais fait d'allemand. Le truc, c'est que cette custom story m'intéressait. Je me dis, il y a un truc qui se passe dans l'univers de Silent Hill, ça pourrait être pas mal. Mais je n'ai pas réussi à la trouver autrement qu'en allemand. Je n'ai jamais pratiqué l'allemand. Si jamais il y a des indices qui sont donnés dans les fiches en allemand, je serai bloqué. Eh mais c'est pas grave! Justement, profitons d'un univers... Ça, c'est vraiment une musique d'atmosphère. C'est typique de Silent Hill. C'est une chaise d'opération. Nous vous annonçons que nous allons commencer l'autre opération. Vous allez donc passer sur la chaise qui fait bobo. Nous avons les moyens de vous faire parler. Oh là là, bonjour le traitement qu'ils m'ont fait, les saligots. Où est-ce que je suis? Allez, on s'ouvre. Je veux t'ouvrir. Alors, attendez. Ah. D'accord, ça se bouge pas. What is it, ça? Une seringue. Alors, voyons voir les instructions. Psst. Oh! Putain. Oh, ça commence bien. Pourquoi mon perso? Oh là là. Ah, bah voilà. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui. C'est bon ça. Il y a une refonte complète du des graphiques, hein. Ce n'est pas que du Amnesia là. Hein. Ah, Justine. Ah oui, bah il y a du Penumbra. C'est ça, c'est le style graphique de Penumbra. Qu'est-ce qu'il me raconte ici? J'ai même pas pensé à courir, moi j'étais tellement... Oh là là. Disparu. Oh là là, ça me dit rien du tout. J'espère qu'il n'y a pas une grosse bébête là. Bon, allez, cours un petit peu. Tout est fermé, c'est horrible. Je suis sûr que de l'autre côté, il y a des espèces de grosses créatures. Oh, attendez, il y a des noms écrits. François Hollande. Ah bon. Bon. En bas. J'ai l'habitude de toujours descendre dans les profondeurs les plus noires, donc de toute façon... Oh là là, il y a des traces de sang, ça commence bien. Putain, je le sens mal, cette custom story.
Et j'espère qu'il va pas s'amuser à nous faire à chaque fois des jumpscares, hein, parce que franchement, pas cool. Bon allez, on monte. Est-ce que j'ai poussé la luminosité au maximum? Bah voilà! Ah, là ça va mieux. Allez les enfants! Je m'en vais. Ah! Et je vois rien, il me faut absolument une lampe ou un truc, là je sais pas quoi. Ça fait quoi ça? Oh putain, la witch! Ok. Ah, il faut de l'huile pour faire fonctionner une lampe. Mais bien sûr! J'ai pas très bien compris ce qu'il faut faire. Putain! Il y a une witch là, merde! J'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Ça m'avance à quoi? Oui, c'est la saucisse. Excusez-moi si je dis pas grand chose, mais je dois avouer que là, je suis pas. Eh, les autres portes sont ouvertes. Oh là là. Je le sens vraiment pas bien du tout. Il y aura forcément un truc, une lampe torche, de l'huile ou autre. Enfin, ce serait bien. Eh, ben voilà. Allez en avance, n'aie pas peur. Oh là là. Et c'est stressant. C'est vraiment stressant comme truc. Ah, Paper, qu'est-ce qu'ils me disent? Et il me fait, regardez-moi ça, il me fait des petits... Oui, tout va bien mon ami, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais bien sûr, tout le monde il est gentil ici, forcément. Bon, c'est une clé qui doit certainement donc ouvrir une des portes du bas. J'ai commencé à faire n'importe quoi là. Bon, on va faire des tests. Eris Lubick. Il est drôle, lui. Moi, je sais pas. Va falloir faire que. Il va falloir que je fasse tous les tests, quoi. Attendez. J'ai même pas essayé d'activer tous les. Tous les. Tous les. Je sais pas quoi. Vous savez ce que ça veut dire. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Non plus. Et si j'appelle tous les ascenseurs, ça va faire quoi? Ah! Non plus. Ah bon? Mais je fais quoi? Ah bah oui! Il reste la porte du bas, bien sûr, les enfants. Que je suis bête. Attendez. On y va. Ah, je sens mal, je sens que ça va être ma fête. Voilà. Allô? Allô? Oh là là. La morgue. J'aime pas ça du tout. Patient Brugger, statue Thoth. Bon, Thoth, je suppose que ça veut dire osseux. Vous êtes un petit peu osseux, monsieur, hein? Et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Statue Thoth. Ah non. Je pense que Thoth, ça veut dire mort. Décédé. Thoth? Ah mais Thoth, ça me fait penser à un dieu égyptien, moi. Ce n'est point sérieux. Ça servait à rien ici. Enfin, je crois. Ah, ici, on va être tranquille. Ah bah voilà. Alors, où est-ce que
J'ai ramassé quoi? Attendez. Oh! Oh oh oh, j'ai vu quelque chose. Regardez-moi ça. J'ai vu quelque chose là. Regardez. Oh, on peut contourner tout simplement. Je suis bête. Je vois rien. C'est l'enfer. Je ne vois rien. What's that? Des piles. Yeah. Hein? Alors je ramasse une lampe torche et à la place j'ai une lanterne. Comme au bon vieux temps. Bon, au moins je suis pas dépisé de ce côté là, ça va. Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? On va quand même y aller mollo avec les réserves d'huile. Attendez, j'ai déjà tout visité là, c'est pas normal. Il y a forcément quelque chose que j'ai omis de regarder. Ouais. Je vois rien. C'est le néant. Non. Non. Ok, je peux déplacer ça? Ah oui. Bon. Oula. Mais j'ai ramassé quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais j'en ai besoin. Enfin, je crois. En principe. Ah, je ne sais pas. Le truc, c'est que tout a déjà été enclenché, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Et moi, il n'est pas très bien compris ce que je dois faire. C'est embêtant, Oh, l'extérieur. J'ai envie de m'en aller. Bon. Bon, là, il me reste une batterie, on va l'économiser. Ne faisons pas de bêtises, les enfants, gardons tranquillement ce que... Ah, les fauteuils roulants. Ça aussi, c'est la marque de fabrique des... Silent Hill. Non. Je vais pas me retrouver bloqué dès le début tout de même. Allons. Dites-moi un petit truc pour que je m'en sorte. Un petit indice. Trois fois rien. Juste quoi m'en sortir. Quelle plaie que je ne comprenne rien à l'allemand. C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, les enfants, mais c'est que, bon... Moi, quand j'étais au collège-lycée, j'ai étudié l'anglais et l'espagnol. Ça m'embête de ne rien voir, là, cette distance. Ah, là. Là, on peut pas l'ouvrir, ça. Mais j'ai rien pour... Je sais pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. J'ai ramassé quelque chose et je ne sais même pas comment l'utiliser. D'autant plus qu'il n'apparaît pas dans mon inventaire. Alors attendez. Memento, rien. Note. Il y a quand même pas mal de trucs. Journal intime, rien du tout. Comment ça? Pas de journal intime? Bah non. Non. Oh là là, j'aime pas avancer dans le noir comme ça. Surtout qu'à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose dans l'enregistrement. J'ai beau pousser la luminosité au maximum sur Amnesia, il est assez fréquent que vous n'ayez pas une très très bonne luminosité. J'avoue que malheureusement, je n'y peux pas grand-chose. C'est les aléas du métier. Bon, alors attendez, on va fermer. On va explorer, on va regarder tout ce qu'il propose. Des médocs. Des médocs. Et encore des médocs. Mais rien que des médocs en fait. Il y aurait pas quelque chose à activer alors? Non. Non. Allô. Rien au bout, rien dans le cul-de-sac. Ici, bon, bah, c'est les morts. Est-ce que les morts n'ont rien à me dire? Les morts ne parlent pas, jeune homme. Les morts n'ont jamais rien à dire. C'est pas marrant.
Si je retourne ici, non, rien du tout. Bon, bah alors c'est en haut, il doit y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais... Mais voilà, quoi. On va remonter en haut de nouveau. On va tenter. Et si ça ne marche pas, je repartirai dans ces cas-là tout en arrière. Non. De toute façon, dans le pire des cas, hein, on le fait comme à la Zelda. On explore tout. On explore tout. Et puis voilà. Rien de particulier à me donner. Bon. Je meurs d'envie de regarder une soluce, les enfants. Oui, d'ailleurs, je vais en profiter pour parler un petit peu de, pendant qu'on y est, de Silent Hill, qui est toujours en cours de parution. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai regardé une soluce. C'est tout simplement qu'au moment où j'ai commencé l'enregistrement d'Amnesia, c'était pendant les vacances d'été, il ne me restait que 4 jours avant que je ne parte, définitivement. Et à la rentrée, la Xbox était totalement indisponible. Donc autrement dit, je n'avais que 4 jours devant moi pour enregistrer Silent Hill 2. Il fallait donc que j'aille très vite. Il fallait que j'aille vite, et pour cela, je ne pouvais pas me permettre de... disons d'être coincé trop longtemps. C'est pourquoi donc je me suis permis de regarder une soluce. Il m'arrivera de le faire, à mon avis, d'ailleurs, je pense que vous le constaterez, mais au cours du jeu, il m'arrivera parfois de bloquer mon personnage et de faire mine, oui, attendez, ce qu'on doit faire, et en fait, en même temps, je regarderai une soluce. Bon, ce sera peu fréquent, mais malgré tout, ce sera, ça arrivera parfois au cours d'épisodes, lorsque vraiment, je ne saurais pas où aller, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, Silent Hill, c'est quand même... D'accord, Silent Hill, c'est quand même labyrinthe. Oh là là. Je vous sers quoi, les gens, aujourd'hui? Pour moi, ce sera un gigot d'humain. Allez, ouvre-toi. Non? Oh là là. Des fours, rien que des fours. Oh, 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 oh. Toi, je t'ai vu. Hein? Faut-tu ketchup? Maintenant que j'ai récupéré une clé, là, je le sens mal. On va courir. Voilà. Courons, 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 courons. Attendez une minute, je sais même pas pourquoi c'est... Arène 2. Ah. 2, par contre, ça, je sais lire. Hé. Ça, je sais lire. Alors. Ouais. 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 Bon, d'accord, tu m'embêtes. Alors, je ne suis désolé. Je ne parle pas l'allemand. J'ai beaucoup de respect pour les Allemands. Attendez, je vais d'abord vérifier ce qu'il y a là. Non, rien. Et là, c'est pour le numéro 1. En avant, les enfants. Vite, dépêchons-nous de rentrer. Ah, j'aime pas quand il faut tirer les portes. Tu te retrouves poursuivi. Tu te dis vite, fonce, fonce. Qu'est-ce que tu, quand tu fonces, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses la porte pour tout de suite t'y engouffrer. Et là, boum, tu dois la tirer à toi. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a essayé de voler une porte. Une porte. Excusez-moi, les enfants. On est là. Il fait tard, là. Je sais plus ce que je dis. Alors, le marteau, je sais pas trop pourquoi. Voilà, ça on a rechargé, ça c'est bon. Allô. Le marteau, on va le tester de toute façon. On va le tester. Je sais pas sur quoi encore, mais on va le tester. Sur ça. Non. Alors, on va tester en haut. Je me demande si tout n'a pas déjà été ouvert en haut, en fait. Je me pose la question, il me semble que oui. Quoi qu'il y avait une armoire que je ne pouvais pas ouvrir. Là, voilà. Révèle-moi tes secrets. Non.
Elle ne veut rien comprendre. Bon, on va redescendre tout en bas. J'aime les pléonasmes. Mais ça, vous le savez déjà, de toute façon, je vous apprends rien. C'est horrible, j'ai l'impression de radoter de temps en temps. Vous voyez, cette façon de descendre, ça c'est à force de descendre les escaliers d'Amnesia, je finis par avoir le coup de main là-dessus. Enfin, normalement. Ah, mais je suis censé faire quoi avec le marteau? Alors est-ce que je ne suis pas censé remettre le disjoncteur en place, en marche par exemple? Non. Non. Non plus. Mystère et boule de gomme là. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas 36 000. Ah, et si j'essaie de casser la vitre en haut? Peut-être que ça pourrait me permettre justement d'atteindre une nouvelle zone. Quoique le suicide, ça me paraît bizarre dès le début de la partie. On va vérifier ça. Alors. Voilà. Faisons un test. Aucune combinaison possible. Bon, ça commence à bien faire les enfants. Et si j'essayais ça sur les distributeurs? Bizarre. Non, Justine, tu ne veux pas de coup de marteau? Je ne suis pas marteau, moi. Bien sûr. Et ben voilà, les enfants. Allô? Oh. Les toilettes. Les toilettes. Bon. Qu'est-ce que je suis censé faire, en fait? Il se passe un truc pas très normal, là. Non, il se passe un truc pas très normal, là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je me réveille dans l'univers parallèle. Hier, yeah, ça c'est du Amnesia. Eh oui, dans Amnesia, il y a toujours un univers parallèle. Ouh là là, ça j'aime pas du tout par contre. Je vois rien. Je le sens très mal là. Il me reste pas beaucoup d'huile, hein, ça va. J'aime pas. Je vois rien du tout. Aïe aïe aïe, je vois rien du tout. Pourquoi je vois rien du tout comme ça? Oula, pourquoi est-ce que je suis penché comme ça? Où est-ce que je suis? Une hache? Ah non, dommage. Oh, bordel! Mais foutez-moi la paix, mon sang! Et si je faisais ça? Eh ben voilà! Non, non, pas de conneries. Oh là là, le frigo! Je peux? Ouais, ouais, c'est bon, je peux. Donc c'est... Oh là 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 là! Oh là là là! Oh là 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 là! Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Attention! Non! Ouais! Et? Vous vous rendez compte de ce qui se passe quand on n'a pas de l'or? De lampe torche? Oula! Yolé! 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 Attendez, là il me faut absolument la torche parce que sinon je vois pas où je vais. Voilà. Ah, ah. Hey. Je dis pas que les jumpscares c'est pas bien du tout, mais...
Bravo. Alors là, bravo. Je dis pas que les jumpscares, c'est pas bien, mais là, franchement, il y a quand même exagération. Enfin, il y a tout le temps un truc, quoi. Ah bon? Attendez, je comprends plus d'où est-ce que je suis sorti là. Oh là là, c'est le labyrinthe là. Et je vois rien. Je sens que je vais être vraiment stressé. Mon Dieu. Je ne parle pas beaucoup, mais je dois avouer que. Ah voilà. Yeah! Oh, mais est-ce que c'est sympa ici? C'est cosu! Oh là là, mon Dieu. Il n'y a aucune. What's that? Ah zut. Bon, alors attendez, il faut faire comme ça. Non. Ouais. Ah! Scheiße! Comme ça. Attendez. Tu te lèves comme ça. Ensuite toi. Ensuite toi. Ah non! Ah bah c'est bas alors. Zut! Donc c'est ardu leur truc. Hein. Oh! Mais vous voulez que je me fâche? Voilà. Oula, ça rame pas mal là. Pourquoi est-ce que ça rame beaucoup là d'un seul coup là? Ouh là là. What's going on? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça rame comme pas possible. Je vais me faire liquider là. Voilà, je suis stressé. Rat, ich hab die ganze Scheiße satt. Ich treffe einen Typen voll der Hammer. Ein süßer Poso, richtig strammer. Und ich denk mir alles klar, alles dran. Und wir fangen zu baggern an. Und ich denk im Falle eines Falles. Alors, je m'excuse pour les fans de Rap, R&B, Hip-Hop, mais je n'aime pas ce genre de musique-là, mais en plus en allemand. Mon Dieu. Mein Ding. Es kommt, was kommen muss. Es bleibt nicht nur beim Abschiedskuss. Ich zieh ein Gummi aus der Tasche, weil ich nicht mehr nasche. Ich hör nur. Was soll denn das? Pack das Ding weg, weil ich's hass. Hey Baby, ist doch uncool. Ohne machst doch viel mehr Spaß. Jetzt hör mir mal zu, ich bin nicht so blöd wie du. Und zieht sich jetzt ein Gummi ein Füllen. Je ne veux pas être médisant, mais je dois avouer que ce n'est. Ils s'en foutent ces Allemands. Bon. Et bien les enfants, moi je pense que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici sur cette magnifique allée en pleine lumière comme ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Amnesia. Donc d'ici là. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.